Ils sont venus de toutes les communes de la région du Sud Komoué. Eux, ce sont les conseillers régionaux et municipaux. La raison de leur présence au village SOS d'Abouasso, les élections sénatoriales. Depuis 7h30, les premiers électeurs sont là. On a attendu 8h pour le démarrage du vote. Effectivement, il est 8h passé. Le vote a commencé dans certains bureaux. Le dispositif, tout est en place. Je crois que le matériel est quasiment suffisant. On a fait le contrôle, tout est OK. Les électeurs commencent à venir. Il faut signaler que c'est tout le Sud Komoué qui vote ici. Au nombre de 373, ces grands électeurs devront choisir une liste de 2 sénateurs parmi les 4 listes que sont celles du RHDP, du PDCI, du PPACI et une liste d'indépendants. Le préfet rassure également quant à la bonne tenue de ces élections. Tout est mis en place, tout est prêt, le vote a même débuté. Il reste à continuer à sécuriser ce lieu qui n'est pas du tout exposé en termes de danger. Nos forces de l'ordre sont là, ainsi que vous le constatez, et souhaitons tous que tout se déroule bien jusqu'à l'heure indiquée. Pour tout dire, dans la région Sud Komoué, le vote se déroule très bien. Les bureaux de vote fermeront à 17h pour laisser place au dépouillement.